La semaine dernière, à l'espace culturel, la ville de Rombin, représentée par son maire, Lionel Fournier, a signé des conventions d'objectifs et de moyens entre les clubs rombasiens de basket, de gymnastique, de football et de handball. Ces conventions entre la ville et les clubs ont pour but de promouvoir et de développer les activités sportives en mettant à disposition les infrastructures nécessaires, en attribuant différents moyens financiers ou en mettant à disposition du personnel municipal. En échange, les clubs s'engagent à développer des missions d'intérêt général de façon notamment à faciliter l'intégration sociale des jeunes, licenciés ou non, de développer des actions dans les différents quartiers rombasiens, de participer à l'animation et à l'encadrement des événements sportifs mis en place par la municipalité, de maintenir le niveau de classement et de compétition, ou encore d'améliorer les compétences de l'encadrement technique, sportif ou administratif. Au cours de cette signature de convention, Vincent Marella, adjoint au sport, a rappelé l'importance du sport dans notre société moderne. Partie intégrante de notre culture, la pratique sportive participe également au développement culturel d'une région et donc d'une ville. Je pense qu'effectivement, pour les dirigeants de clubs et pour les éducateurs et les formateurs et les entraîneurs dans les clubs, il est important de savoir que sur ces 3 ans, ils ont une somme pluriannuelle qui est bloquée et qu'ils auront à leur disposition. Monsieur Fournier a quant à lui rappelé l'importance de cette convention qui donne des droits mais également des devoirs aux clubs signataires et notamment dans le domaine de l'insertion, de l'intégration sociale ou encore du fair play. Chaque représentant des clubs a ensuite remercié la municipalité pour l'effort de financement et pour le soutien qu'elle accorde au monde sportif de notre ville.